c'est la nuit. Influenceur bien avant l'heure et malgré lui, déclencheur de vocation plus ou moins réussie, celui que l'on écoute dans l'ombre parfois pour pouvoir reprendre à son compte ses idées. Je rappelle à tous ceux qui fument des pétards que ce sont eux qui alimentent ces violences-là, c'est avec leur pognon que ces gens achètent des armes pour s'entretuer devant nos immeubles. C'est que celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, il a le goût du sang séché sur le trottoir. Ouais, garde des seaux aussi, écoute Maurice Radio Libre. Et bien si ces gens arrêtaient de consommer la drogue, arrêtaient de fumer des joints, arrêtaient de prendre des rails de coke, vous faites naître ce genre de règlement de compte, vous faites naître d'exploitation des personnes, d'exploitation des mineurs, des assassinats, le financement du terrorisme. Eh oui, même le ministre de l'Intérieur écoute Maurice Radio Libre. Il a compris. Écoutez Maurice, c'est avoir un temps d'avance sur les autres. Si tu veux savoir ce que l'on dira demain, c'est sur Maurice Radio Libre qu'il faut que tu sois ce soir. Maurice, le prescripteur. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.